sur place. Est-ce que nous tendons là? Allô, allô, VOA, VOA Creole, est-ce que nous tendons là? Nous tendons moins, si nous tendons là, nous obligés de décrocher et chercher l'autre moyen pour nous attendre. Est-ce que nous tendons là? Est-ce que vous entendez moi, vous entendez? Non, pas attendez. Vous avez sorti toujours? Ça oblige, vous voulez dire que vous avez sorti Kounia? Vous entendez bien? Vous entendez bien? Oui. Comme qui dit oui là, vous entendez bien. Ok, d'accord, m'a dérapé. En tout cas, moi c'est Jean-Bert Philippe, je suis là maintenant dans Gabon. C'est une ville frontalière, République dominicaine, qui partage Haïti. Donc de l'autre côté des dominants, c'est Waname, qui est lui-même dans le nord-est, mais même il partage sous frontière bon côté haïtien et Waname lui-même et Gabon, du bon côté dominicain. Donc, alors ça pour me dire, hier nous t'ai fait parler, nous t'ai pas lancé de bain, nous t'ai un petit peu expliqué certaines choses. Je dis à ceux qui sont ils sont en accalmie là. Parce que pas vraiment des marchés binationaux. Le marché binational n'a pas fonctionné. Mais pendant nous là, nous constaté plusieurs Haïtiens qui ont sorti, qui ont quitté la République dominicaine. Et gen qui gen balise dans main yo nous pas connaître est-ce que c'est monde qui quitte Dominicani volontairement mais en principe c'est pas monde qui déporté parce que ça moi c'est monde qui semblait voyager mais monde qui sorti d'un côté en République dominicaine ou bien qui d'accord pour retourner volontairement et mais nous pas connaître et statut officiel et yo quitté République dominicaine pour ça aller parce que en principe nous connaît ça bon chasse qui a fait la République dominicaine contre immigrants haïtiens qui sont servis dans le pays illégalement. Donc, les Dominicani a forcé le nettoyage côté la pourrie des immigrants haïtiens. Donc, comme on dit, je dis à son jour calme qui vient là et pas grande activité vraiment, contrairement avec lundi 18 mars là, le marché binational là, il y a un peu de monde qui s'est déplacé. Mais ça va signifier, ça va dire rien tout simplement parce qu'en principe, et immigrants, ou encore en principe, garde frontalière, ils sont toujours là, donc autorité est toujours là. Et la donne en l'ouvrir, côté à checker machine, cap sorti qui parle en Haïti. Mais c'est machine qui portait marchandises, donc ils continuent à vérifier machine ça. Et incident, moi, ouais, que garde toujours fouiller machine cap sorti, mais c'est machine qui gagne haïtien là-dedans, les machines qui gagne marchandises, mais gardio qui sous côté dans là et après fouiller yo que bah mais j'aime dire nous moi ouais en pile là moi ouais en pile haïtien cap rentrer là et cap rentrer et cap traverser frontière mais gagne d'après ça on autorité dans immigration dit nous yo dit que yo même yo pas mettre saut pour les gens qui sont sortis là pour aller en Haïti, ils ne pas mettre secours. Donc, les gens doivent sortir Jean Ouvlé. Ils doivent sortir Jean Ouvlé. Et depuis qu'ils ont sauté, ils ont un aéroport, par exemple, pour un aéroport pour Cana, Santo Domingo. Même si les gens sont sortis de l'autre côté, ils sont entrés par Saint-Domingue pour entrer en Haïti à cause de nous connaître la porte pas fermée. Eh bien, bon, les immigrants, ça, tout simplement, sont capables de sortir. Mais les lap tourner les bilgues soit car retourner tous les bilgues soit car retourner on parle des migrants mais si c'est un monde qui consacre pas mettre sur pour monde donc là on petite activité là tout petit mais c'est des immigrants monde moins dur que c'est des haïtiens cap sortir depuis à passer là en principe que garde frontalière fait ça les une sorte de checkpoint on va convier caméra pour nous capable peut-être garder des dômes et très certainement comprendre ce qui a passé là qu'on y a là des dômes dans là et nous capable justement si j'ai nous capable ben nous va me capable ben gros bagaille et en attendant que chef yo couille derrière moi mais même quand montrer nous et là nous ca garder n'a pas
côté chef yo sans ça fouiller monde qui a passé mais c'est monde qui peut aller en Haïti. Moi même moi très limité dans ça me capable faire bon ici là parce que en principe moi t'a aimé aller dans barrière qui sépare barrière Haïti avec République Dominicaine non même pas là dedans parce que garde dit moi on pas autorisé pour m'aller l'autre bois bien que il y a des journalistes étranger qui l'autre bois là qui l'autre bois là mais moi même moi pas autorisé aller donc moi seulement contenté non petite position bon moi que me arrêter là aux médias suédois qui sous place là là tout cap travail tout donc lui même moi rester là et m'a travaillé avec médias suédois ça moi au côté là mais que l'autre journaliste qui étranger qui là tout et qui fait certainement il a même objectif avec nous même dans service là qui vient là et justement pour regarder qui en situation et activité oui. Mais on a regardé l'autre bord frontière nous pas trop loin avec barrière là pour pas qu'être monde qui massé devant c'est monde qui semble t'as besoin ou bien t'as aimé venir là mais gardio qu'un bio l'autre bord là il est pas capable de traverser bon m'a faut petit check encore là nous t'entendez bien là pas vrai si t'entendez bien là dis-moi c'est les gentils. Non, c'est rare. Cavelli, on garde moi qui en sait bon la caille nous. Donc nous entendons bien là, ouais. C'est pas un petit babier. Donc OK, il y a un qui dit mieux bien temps, il entend moi, bon bien content que nous entendons bien. En tout cas, nous sommes capables de continuer avec la couverture qu'on fait là. Donc, justement, l'autorité là, il a supervisé, il a regardé ce qui a passé. Mais nous, nous avons aller venir là. Moi, j'ai demandé quelques-uns qui ont employé, surtout dans l'immigration, dans le service d'immigration, pas mettre sous visa pour les gens qui ont sorti, qui peuvent aller en Haïti. Si les gens veulent sortir là en Haïti, ils doivent aller carrément. Ils doivent aller, ils ne peuvent pas empêcher. Moi, à condition que vous soyez au port d'entrée en République dominicaine, donc vous ne pouvez pas mettre des soins pour là. Donc, en principe, nous avons une machine qui a pris là, nous avons une machine diplomatique qui sortit en Haïti et qui a pris un va-et-vient là. Et nous ne pouvons pas connaître ça. Donc, justement, nous quittons nous aider là. Et justement, ça va nous aider plus ou moins. De Haïtiens qui sont sortis là, qui ont pris une machine. Pour nous traverser, aller et du côté Haïti. Je ne vais pas parler avec eux parce que côté miel là, c'est pour nous et l'autorité n'est pas fait. Mais qui ont dit qui arrivent là et qui ont l'autre encore qui a privé, mais c'est les gens qui prennent machine, saucisson, côté d'un gros, ou bien surtout non, au côté, on vient frontalier dominicain. Et ils sont venus pour retourner en Haïti. Donc, on va connaître exactement qui le motif, etc. Et hier, il y a eu un taille de déportation et on a constaté environ 6 machines pour public qui devaient déposer les immigrants sur ce côté-là. Ils sont venus, ils ont fait bac et puis ils ont dit que les immigrants descendent. Et puis ils ont fait descendre et ils ont dit à la caille. Donc, ils ont descendu à la caille. Il y a traversé frontière. Nous ne connaissons pas si de l'autre côté, il y a un groupe. Nous connaissons un gars qui travaille dans le domaine ça. Nous ne connaissons pas si il y a un autre droit qui s'est offert avec eux. Mais les immigrants, ils ont traversé et ils sont allés. Et l'autre côté, ils sont allés à la caillou. Entre temps, il y a une petite activité commerciale. Pas le commercial, non, mais moi. Camion transport qui soutient Haïti, qui fait cette année par la République dominicaine. Je me pose des questions. Je dis que c'est un arrangement. Qui te gagne entre autorités pour permettre que une série de commerçants en Haïti placent commandes en marchandises de certains occupations, monté en pile matériaux de construction, par exemple ciment par exemple, eh bien, et une fois que fin passé commande là qu'on y a, ils voient un camion haïtien avec un chauffeur haïtien à prendre marchandises là pour eux et porter de la caille. Donc, ça, c'est un arrangement en spécial qui fait avec autorité. Mais le camion, ça, quelqu'un doit quitter la ville de Miada Habon, là, les pieds, loin, là, chercher des marchandises, et puis après ça, l'hypothèse de tourner, bah, et parti, ou bien monde qui concerné. Donc, c'est ça, lié, on sent que ça est là, donc, nous sommes censés regarder,
qui j'ai une activité et qui j'ai ça qui a passé qu'on y a là parce que camion ça un gros camion là son côté là on bail qui ont bail ça a fermé et lui même c'est surtout il aime avec un camion dans tout ça pour passer des dans là et lui même c'est surtout ciment camion ça côté là le côté du côté mais nous avons plus beaucoup de côté du côté du côté parce que là et on va là, donc nous sommes place. Et comme nous n'étions pas là avant, nous sommes là. Parce que nous avons bien des votations. Mais d'après ça, nous avons tous un commun, nous avons tous les gens qui sont chaque jour. Il y a des votations. Mais les votations ne sont pas bien. Nous faisons une zone et une machine qui a pris 3 millions de dollars. Nous sommes vers midi. Vers midi, 2 heures, et là ça a commencé à venir. Et là ça a venir, ils ont déposé 1 million et puis ils ont. Donc c'est pas une seule machine, c'est toujours plusieurs groupes qui viennent. Et Mounio dit nous, la situation n'est pas différente depuis l'air. Et la crise là, fait là, il n'y a pas mal. Je dis tout, et mesures de sécurité à renforcer tout, parce que Dominique a eu crainte pour les gens qui étaient sauvés dans la prison, pour ne pas courir, pour chercher du monde là. Donc ça fait que il y a difficile pour les Haïtiens qui sont à Haïti, ils viennent en République dominicaine. Et sauf dans les cas exceptionnels, mais il dit depuis la prison casée, il prend des mesures tout pour éviter et que les immigrants, les gens qui étaient là, les gens qui étaient dans la prison, ne pas chercher à sauver et certainement utiliser les frontières. Et Dominique avec Haïti a pu entrer dans le Panyol et certainement j'étais de leur côté. Donc il y a tout un travail qu'a fait. Donc monsieur est très vigilant et m'a tout compté dans pile et autorité, chef dominique, que ce soit qui en civil, qui habille en militaire, tout, mais. Nous badjo, donc nous comprenons qui est ce que nous avons, et c'est différents types d'agences qu'il a et qui a contrôlé Haïtien. Mais de l'autre côté, du côté haïtien, malgré de l'autre bord frontière là, il y a un pile haïtien qui campait l'autre bord qui n'a pas traversé. Donc, Bahia Dominicain ouvert bien large, mais Radio Grand en face et Mounsao, immigrant, Mounsao qui est l'autre bord, qui quitte très probablement rémé traversé, rentrer là. Eh bien, les gardes frontaliers ont empêché d'entrer. Pour quelle raison, nous n'avons pas vraiment connu pour ça. Voilà. Donc, nous sommes sur place là. Et alors, ma nous partage avec nous un petit calendrier que le service a partagé avec nous, Sandra Le Maire. Eh bien, jeudi à ces derniers jours, je vais faire sous frontière là. Ensuite, après ça, je vais descendre pour aller à Santo Domingo. Et avec mes objectifs là, peut-être ensemble nous allons rencontrer avec Haïtiens qui vivent l'autre bois, que ce soit ces hommes d'affaires ou bien d'autres Haïtiens et même sujet des civils là. Certainement parler avec eux et qu'on ait un petit gens qui impact que la crise pays d'Haïti a sur eux et qui est-ce que ouais que en principe il y a une possibilité pour qu'on ait une solution dans la crise pays d'Haïti après ça. Donc c'est la nuit beaucoup n'est là, moi papa est en forme. Ce pas qui t'est prémédité, oui. Ce pas qui t'est calculé, oui. Ou pas qu'on nous ouais, comment négo te commencé avec politique, hein? Ça m'a dit à dimanche. Négo boule, regardez, chaque semaine nous t'en dégo marché boule en bas la ville. Marché tête bœuf, marché Hippolyte, et Topolino. Chaque semaine nous t'en dégo un petit qui est quatre en bas la ville, non marché. Jusqu'à ce que négo pousse de tout marché en bas la ville. Jusqu'à ce que les nègres ferment tout marché dans la ville. Parce que c'est eux-mêmes qui vous contrôlent le secteur ça. Parce que vous boulez, vous boulez, vous boulez marché, vous faites tout petit marché. En bas la ville, la ville invivable, la ville impraticable. Vous ne pouvez pas fonctionner dans la ville. Et puis pour toute l'argent, vous êtes à joindre. Mais vous ne pouvez pas jamais penser. Vous ne pouvez pas jamais connaître. Oligarque corrompu, vous ne pouvez pas jamais connaître. Même Jean Piment, il était brûlé dans le jeu pour le. Mais je dis là, Piment tombe dans le jeu comme condamné. Mais il y a même tout, il y a la même douleur, même sensation qui était dans le jeu pour le. Il y a la même douleur, même sensation qui était dans le jeu pour le. Parce que je dis, il n'y a aucun hôtel qui est en sécurité dans Pétionville. Que je ne vais pas citer non yo. Pas de aucune entreprise, go entreprise qui est en sécurité en l'air dans Pétionville. Pas de aucune go entreprise qui est en sécurité sous l'aéroport. Je dis, je ne vais jamais prêcher violence. Je ne vais jamais dire, l'ensemble ne va pas manger, vous êtes nous garder en haut. Mais non. Mais je dis,
ça qui a passé dans le pays là. On a dit un bon petit proverbe haïtien, wash nan dlo, commencé qu'on est vrai douleur wash nan soleil yo. Oui, wash nan dlo yo, commencé qu'on est bon douleur wash nan soleil. Alors que tu as des possibilités pour wash nan dlo yo, tu ba wash nan soleil un petit côté bon côté yo, peut être capable rester. José m'a dit nous clair. Nèg armé yo, c'est oligat corrompu a créé yo. Se mette zam nan me yo. Se classe politique lan, comme facilitateur, comme intermédiaire, qui pote zam ki alimente jeune garçon sa vande ghetto yo. Et de l'autre acteur nan société civile lan. Et sa n'a pas oublié, communauté internationale lan tout. Parce que zam sa yo pas fait en Haïti. Haïti pas produit zam. Haïti pas ge commerce zam, pas ge comme si, pas ge boutique zam en Haïti. Tant kou ko frère nous Jacques Adler Jepiel te dit. Jacques Adler Jepiel te dit. Haïti pas produit zam. Haïti pas fait zam. Qui côté zam sa yo sorti? Alors, regardez cette vidéo sa, que Iso mette de yo, qui marque unité village de Dieu. Genèque sa bien équipé, gilet pas bal, bot tout neuf, gros zam nan me yo, machine. Mais mes amis, qui côté sa yo sorti? Faut regarder source de financement ka ba nek sa yo zam nan nan pays. Et ça fait, moi dit clairement, quel que soit l'en a fait pays, quel que soit l'en a fait société, quel que soit l'en a fait état de droit en un pays, il faut qu'il y ait une commission de vérité qui pour al connait, pour demander next à qui est-ce qui va aux âmes ça yo. Parce que nèg pas voyager, il n'a pas sorti et tout ça. Gen même mon passeport ou pas gagné. Mais ça yo vinn jeune en dans ghetto. Ils ont qui gagne drone ça, qui a contrôlé tout par les nationaux. Qui est-ce qui achète drone ça pour lui? Qui est-ce qui monte drone ça pour lui? Qui est-ce qui facilite drone ça entrer dans le village non? Faut regarder ça tout ça internet. Faut regarder source de financement qui a pas les moyens. Mais comme je dis, 15 familles, 11 familles qui ne commettent jamais ça dans le pays. Comme oligarque corrompu ça, communauté internationale, le secteur privé ça, qui pas jamais pensé que je dis hein, que zame qui ont tapé jeune garçon dans le ghetto, t'as viré bouche sur tout, bien que pi fois mon qui victime c'est mal et mal les mais je dis il y a comprendre que le que ou montre ma carte anti gauche, la pète était tout le tout, la casse était tout le tout, qui veut je dis hein, bien qu'ils comprennent que bon artiste qui joue musique, qui font musique, moi j'ai longtemps. Washington pas innocent, Oya pas innocent, CARICOM pas innocent, Bini pas innocent, Kogou pas innocent. Monsieur le Kébébassien. Kébébassien, voilà, Atiskeb. Nan misé entendé. Et je dis à sa femme toujours dit, si qu'on continue, après ça que international la fin fait nous la yo, et ça continue fait nous la yo, nous continue rete à garder. Parce que yon de tous les camions marchandises. Yo fait kidnapping, yo prend l'argent. Et songe, yo dit bon, l'autre trafic que yo fait là, c'est trafic de drogue. Et trafic d'organes, tu prends partie dans le commun, rinquiète le bagage ça. Très bien. Les nèg rentre dans le trafic d'organes, ils rentrent dans le trafic de drogue, ils rentrent dans le trafic d'armes parce que yo ISO, ils ont capacité pour acheter des armes, pas ban ak pa paquet, pour le vendre avec des autres groupes gang qui y a dans le pays. Je veux dire, il est important que cherche qu'on est. Premier stock ZAM qui était distribué dans le ghetto, qui est-ce qui était distribué? Dans quel objectif qui était distribué? Il a permis au moins qu'il résout le problème. Mais qui est-ce qui a dit? C'est NEC qui fait partie des groupes.